chest and leave them embedded. It's that murder rap. Bonjour, welcome sur Orcs TV pour la grande finale du Zoe Challenge. Donc ce soir, on va vous proposer H2K contre XMC, deux grands noms qui vous évoquent sûrement pas mal de choses. À mes côtés, on aura Jeannot comme commentateur et Mir comme caster. Bonsoir voilà. Tout le monde. Ouais, ça va et toi, Adrien? Tranquille. Bon, on a un petit peu de problème au niveau du serveur. Donc, ouais, en fait, ce soir, je vais commenter tout seul. Bon, il sera là, Adrien, pour m'épauler. Mais malheureusement, ils ont voulu avoir un serveur 12 slow, et pas 13. Donc voilà, c'est comme ça. Donc, Mir, si tu pourrais rep au passage. Donc, du coup, on va faire la présentation des équipes. Alors, tu veux faire la présentation des équipes, Adrien, côté H2K? Du côté H2K. Ouais, tu peux pas voir. Ce côté H2K, il y aura Sin, Almos, Riplan, Jean-Dui, Tech, des côtés XNC. Donc il y aura Kevoyan, donc c'est Stevie, Linkwin, Dumper, Leke et KKK. Voilà, ils ont un peu rename leur pseudo. Ouais, et donc c'est deux équipes très fortes qu'ont l'habitude de s'opposer. Donc on va voir ce soir, on aura sûrement un très beau match hein, avec des grands noms. De très beaux joueurs. Ouais, c'est sûr. Et en attendant, on attend plus que les H2K à rep. On va pouvoir commencer le round cut. Donc on rappelle que c'est BO3. On va passer pour la finale Zoe Challenge. Donc je crois qu'il y a 5 tapis de souris à gagner ou 5 casques. Je sais plus, je crois que c'est des tapis de souris. Donc ouais, organisé par la Zoe. Pas grand chose, mais c'est vrai qu'il y avait mal de grosses équipes européennes qui ont décidé de jouer. Donc ça a attiré pas mal de monde. C'est sûr. Et voilà. Et XNC, je crois pas qu'on les avait déjà stream précédemment. On devait les stream pour la demi-finale. Non, on devait les stream, ouais, et ça s'est pas fait parce que ils ont fait leur demi-finale contre les IMG Gaming un jour à l'avance. Donc voilà, on n'a pas été prévenus, donc c'était pas très très cool, mais bon. Finalement, on stream la finale, donc c'est déjà pas mal. Sera H2K contre XNC. On a quand même des problèmes de serveur, donc. Ouais, c'est sûr. Donc voilà. Donc on attend qu'est-ce qu'on attend? On attend le déclic et voilà, c'est parti. La finale entre H2K contre XNC et le cut rune qui arrive. Voilà, c'est veto. Cut veto pour la map. Et après ça sera le cut side. Donc là on est parti à peu près pour 1h30 de stream. Hein. Ouais, pour mon avis. N'hésitez pas à nous dire vos pronostics dans le chat. Oh là là, double cut de fake. Toi t'es pour qui? Moi je dis H2K. H2K? H2K. Ouais. Il y a combien? 2-0? Voilà. Pour la première map, je sais pas c'est quelle map, donc je vais attendre la première map. 2-0 pour la première map. GG mec. Moi je dis. non. Ah oui, moi je dis 2-1. 2-1. 2-1? Ok. Ouais. Je pense pareil que toi. Moi je vois plutôt XNC mais 2-1. D'accord, ok. On va bien voir. En attendant, les H2K qui remportent le cut rune, ils ont vu qu'il a fait. 3 cuts. Allez, on rep côté Orcs TV. Oh là, nous on est ready. Alors, ça y est. Alors, on enlève Market. Côté H2K, Cluster. Ils veulent pas jouer hein, les maps. C'est normal, Backlot. Mais je croyais que c'était une map full normale. Ouais, je crois que c'est maintenant c'est des maps officielles hein, maintenant donc. Bon, ok, pour moi. Ils sont officiels. Allez, Crash. Donc, on n'aura pas de Crash. Allez, moi je dis Cross. Cross ou Strike. Okay. City, Big City. Donc ça sera City normalement. Si j'ai bien compris, si j'ai bien suivi. Ah non, ce sera pas City, ce sera ni Strike. Donc ça sera Backlot. Ok. Backlot en première map. Ou Cross. Attends, c'est pas fini. Go City. Ah non, non. Voilà, j'ai pas compris, j'ai pas suivi. Ça m'étonne pas, t'es un noob. Ça commence bien. Ah, tu t'es fait kick. Oh là là. Combien de temps?
Ah bah bravo. Oh là là, shit. Voilà, il y en a qui traitent de cheater. Ah non, mais faut que tu attendes, hein, Mire. Allez, en attendant, les dédicaces. Alors, Tyrings, s'il fait une dédicace à l'Erickson, voilà, c'est passé. Si vous passez vos dédicaces, n'hésitez pas, surtout les Français. Puis les Anglais, ils comprennent pas, donc voilà. alors, j'ai une petite dédicace aussi de la part des Play5, enfin Play5 Hérétique, qui fait une dédicace à son chouchou. Voilà, c'est passé. Allez, en attendant, moi je vais peut-être repé. Pas mal. Ça serait pas mal. Mais je suis sûr, si tu t'es fait kick tout à l'heure, je vais peut-être me faire kick. Adrien s'est fait kick tout à l'heure, donc. Donc voilà. C'est un peu dommage. De toute façon, c'est un serveur en mousse. Ah ouais, mais bon, il n'y a pas Ah. assez de slots, etc. Bon, c'est pas grave. Enfin bon, on va faire avec, comme on dit. Moi, je rappe en attendant. Attends plus que Stevie. En attendant, n'hésitez pas à suivre le live et puis le faire tourner à vos enfants, enfin à vos enfants, à votre famille. J'étais en train de dire une dédicace, c'est surprise qui m'a surpris. Voilà. Qui fait une dédicace à Tom Tom, le meilleur AKFR. Voilà, c'est passé. Là, c'est surprise, il m'a surpris. Petit jeu de mots au passage. Allez, fais un petit reconnect, Mire. 1 minute, oh là là. Allez, on va faire le décompte. Ah, je crois que je me suis fait kick aussi. Je crois, attends, attends, je regarde. Ah ouais, 2 minutes. MD5 Tool. Ah bah, ça va être super pour commenter ce soir. Je le sens. Je le sens, je le sens. Ouais. Ouais, parce que c'est serveur allemand ou parce que je pense que c'est pour ça. Essaye de te reconnecter. Oh là 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 là. On a vraiment pas de chance. Bon, j'essaie de suivre le live en direct hein, sur le stream. En attendant. C'est un peu comme mon. Ouais. C'est un peu dommage. Je peux me mettre en plein écran, Mia. En attendant. T'as la main sur le chat. Bon, vous avez pu voir, on a amélioré un peu la qualité du stream. Donc on a essayé de pas faire trop fort ni trop bas pour avoir une bonne qualité quand même pour ceux qui ont des bonnes connexions. Ouais, je vais essayer peut-être de me reconnecter. Ah, ça a déjà commencé. Ouais. Ah ouais, d'accord, il y a déjà 1-0 pour les XNC. Non, H2K. J'ai bien vu. Dis-moi, oui, ouais, c'est Oui, bon, j'ai c'est bien bien. vu. Allez, est-ce que je vais essayer de me reconnecter? Ah, oh, 1 minute. On va attendre 1 minute. Je suis sûr qu'il y aura un beau frag, je vais me faire kick à chaque fois. Ouais, là, les H2K qui pour le moment mènent pas mal la danse, hein. Ah, il y a eu double kill hein, de l'évêque, de l'équipe. Les mecs vont nous entendre en décalé, c'est vrai. Et ouais. Allez, je vais essayer de me reconnecter. Ah, 1 minute toujours, putain, qu'est-ce que c'est long. Ah, malheureusement, on est à chaque fois kick du serveur. Hein. Ouais. Ah, il y a eu un bin d'Hitler. Mein Führer. Allez. C'est parti, je me reconnecte. Alors si je sais pas taper reconnect sur ma console, et c'est bon, j'arrive sur le serveur. Allez, hop, j'étais où? Hop, et 2-0, 2-0 pour les H2K. Voilà, les H2K sont bien partis sur cette map. On rappelle, c'est BO3, c'est la finale. Ah, il y a le timeout. Ah, plus que replan. Ah, up. Il y a un timeout, pourquoi? Je ne sais pas. Voilà, c'est bon, c'est revenu. Ils ont peut-être attendu la Web TV. Je ne pense pas. Ouais, en attendant. Allez, je vais suivre. Allez, on va suivre Stevie. Alors, c'est Kevoyant si tu veux suivre. Voilà. Donc, Kevoyant. Si je le dis bien, je sais pas. Ah, c'est un XNC. Ouais. C'est bon, tu l'as. Allez, Stevie qui en a peut-être spoté un.
essayer. Allez, côté H2K, double kill de Zhonjui, Liquid sur Zhonjui. Fake sur Lucky. Oh, Stevie qui se fail. Allez, premier fail de la soirée. On repart sur du A là, côté XNC. Attention, il y en a un juste à côté de lui. Et voilà, c'est Sin qui fait le décal là sur Stevie. Et Linkwin qui se retrouve en situation de 1v3. Ça va être compliqué parce qu'il est au niveau du marché. Et il peut faire le backup. En même temps, tu peux rajouter que City c'est quand même une map vraiment axée sur la défense. Ouais, c'est vrai. En attendant, il est archi low HP. Et l'info a été donnée. C'est bon, il va mourir sur les balles de Riplan. Et 3-0 pour les H2K. Attention, les H2K qui mettent la machine en route. Allez, on va suivre Riplan. Donc c'est Ville, si tu veux suivre, c'est le scope H2K à Mir. Allez, il balance sa nade. Il se bloque un peu. En attendant, Linkin qui fait la première décale sur Sin. Oula, double kill là, de côté XNC. Almos à la nade sur Duffer. Ouh, la décale là, 2KKK sur Almos. Et situation de 2v4. Il reste plus que Riplan et Fake. Alors Fake, je crois qu'il est en B. Si j'ai bien vu. Ah non, il est en A. Et les deux H2K sont en A et il n'y a personne en B hein, côté XNC. Allez, la bombe va être plantée. Ça bouge pas, ça prend les pauses. Là, côté XNC, ça fake. Et maintenant ça plante. Voilà, la bombe est plantée. 40 secondes. 2v4, ça va être compliqué. Là, côté H2K. En plus, ça campe vraiment là côté XNC. Je vois pas comment les H2K vont retourner le round. Allez. Et bim, Riplan, première décale. Sur Liquid. Ah, ils peuvent le faire, hein, ils peuvent le faire. Oh, TV. Sur Riplan et Kaka qui fait la dernière décale sur Fake. Et voilà, premier point de la part des XNC. Et toujours 3-1 pour les H2K. Peut-être commencer à remonter. Hein. Ouais. Peut-être commencer à remonter. Ouais, c'est serait temps. Difficile de suivre derrière le stream. Hein. C'est vrai que. Ouais, c'est sûr, ouais. Et en attendant, Liquid qui fait tomber la nana de Fake. Et on part sur une EP là, côté XNC. Ça tempo, ça va rusher le marché. Non, ça tempo côté marché là, côté XNC. Oh. Voilà, Sin qui fait la première décale sur Duffer. Avec 4 contre 4. Et Zhonjui là qui peut faire un double kill là au niveau du haut marché. Ah, il attend, hein. Maison. Attention, je sais pas qui est juste à côté de Zhonjui. C'est KKK. Attention, il arrive. Oh, il a vu. Ouh, il te fait, il a Zhonjui. Il le met archi low HP, les deux. Son low HP. Oh, Zhonjui qui fait la décale là, sur KKK. C'était magnifique. En attendant, côté H2K, bah, 3v2. Et XNC, ils sont pas la bombe. La bombe est complètement à l'opposé. Bon, il cherchait le kill. Ah, Stevie qui en a vu un. Il fait la première décale sur Almos. Allez. Il ne sait pas où est la bombe, je crois, les H2K. Jean-Louis est bien placé, bien positionné. Très, très bien positionné, même. L'info va être donnée de la part de Jean-Louis, je pense. Ouais. Ça y est, première décale de Jean-Louis encore. Attention, Liquid qui arrive. Il va aller chercher le kill, non? Ouais, il va aller chercher le kill. Oh non, c'est fini. Et voilà, quatrième point remporté par les H2K. Ah, c'est pas mal, hein, de la part des H2K. 4-1. Alors, surprise, il veut commenter avec moi, mais non, surprise, il n'y a que 12 slots sur le serveur, sinon Adrien serait venu, malheureusement. Ah, non, attends, première décale à 2 Stevie, sur Fake. Et côté, on est parti sur qui côté XNC, on est parti sur du B. Oh là, en deuxième but décale là de Stevie. C'est comme là, côté H2K. Ouh là, la double kill là de Sin. Linkwin qui revoit la balle. Linkwin encore. Sin encore. Ah, ça va être le round de Sin-Queen, de Sin et de Linkwin. La situation de 1v1. Attention, ça va. Oh là là. Oh, il a repris le deagle rapidement, Linkwin. 1v1. Ah, il a vu. Oh là là. Ils sont tous les deux low HP. Elle est partie, hein, fond
Signe. Ah, c'est bien joué. Elle l'a entendu. Oh, c'est bien joué de la part de Signe. Link Queen aurait pu faire un fake. Mais non. Il a entendu. Oh, bien joué de la part de Signe. Magnifique. Et je crois que c'est le. Non, j'allais dire le full team, mais non, il fait 4 kills sur ce round. En tout cas, entre Signe et Link Queen, c'était très très bien joué. Et les H2K qui gagne 5 à 1. Et première DK là de Riplan hein, sur Link Queen. Je crois que c'était au pré-shoot, ouais, c'était au pré-shoot. Et qui fait tomber fake à la natte. On est parti sur du B encore une fois, hein, côté XNC, on insiste sur le B. Stevie sur Almost. On est parti sur du marché. Hein. 3 marchés, on a lâché la bombe là côté XNC. Link Queen qui va aller le rocher. Ah, ça va tempo côté. Côté H2K, on va peut-être pas se montrer. Oh, en attendant, je sais pas qui met des balles là sur Link Queen. Je crois que c'est Signe. Et de faire qui fait tomber Riplan. Allez, Signe en situation de. Bah non, c'est Jean-Luc qui se retrouve en situation de 1v3. Et il est où Jean-Luc? Il lui a positionné. Oh, derrière lui. Et 2 à 5, et les XNC reviennent petit à petit. De toute façon, c'est que le début. Ah, n'hésitez pas, passez vos dédicaces pendant la mi-temps. Adrien les passera. Allez, on est parti. Un côté H2K, hein, ils sont deux sur B, normal. Bonne petite strat. Oh, fake, à traverse fumée là sur les cuits. Oh là 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 là. On est parti sur du B encore, hein, côté XNC. On insiste le B, mais ça marche pas. Oh, j'en joue encore. Il y a eu 3 kills, hein. Ça va peut-être être un ace là côté H2K. Et le match est vraiment lancé. Ah, j'en joue encore, j'en joue, qu'est-ce qui fait mal? J'avais déjà streamé à l'époque. Il faisait très très mal. C'était même c'était Cyborg Factory contre H2K, je crois. Si je me mes souvenirs sont bons. Il faisait très très mal. Ah ouais, mais je te l'ai dit, hein, H2K est très très bien placé. Pour moi, c'est l'une des meilleures équipes en Europe. Et en attendant, XNC qui fait tomber à la natte de Jean-Duy. Et XNC, pour moi, sont en dessous hein, ce soir. Et The First, quand même, qui fait le deuxième kill. Allez, on va partir sur du A, je pense, là, côté XNC. Ils sont tous regroupés ensemble. Hein, tous regroupés ensemble. Et là, il y en a un qui arrive, il fait carton. Hein. Carton plein, quoi. Ils savent pas ça, ça tempo énormément côté côté H2K et côté XNC. Enfin, c'est plutôt côté XNC parce que la H2K n'ont pas à se montrer. Juste cover leur site bombe. Linkwin gun a spoté un qui fait peut-être tomber fake, qui fait qu'il a archi l'HP. Oh, Signe qui est arrivé là en renfort qui a fait tomber les cuits. Ah, ça peut-être au retournement de situation côté H2K. De faire encore qui fait le troisième kill là sur Almos. Kaka qui fait tomber fake. Oh, Signe qui se retrouve en situation de 1v3. Il fait tomber Stevie. Ah, derrière lui. Et c'est Link Queen qui le finit. Et 6 à 3 toujours en faveur des H2K. Troisième point remporté par les XNC. Les XNC reviennent petit à petit. Allez, je vais regarder Jean-Ju. Il a côté H2K. Il fait très très mal. Allez, Riplan fait tomber Lee Queen, Almos sur The First. Almos encore le deuxième kill. Ah, ils sont chauds là côté H2K. Et ils insistent là sur le A, là côté XNC, ça marche pas. Le A et le B, c'est toujours pris d'assaut par les H2K. Et fait qu'il fait tomber KKK. Et Brian, Stevie se retrouve tout seul. Ah, il y en a peut-être un. Ah, il veut pas die, hein, il veut pas die. Allez, Stevie. Oh, il le touche. Voilà, il va faire le fou. Oh, voilà, c'est Albos qui le finit. 7 à 3 pour les H2K. Attention, ça commence à prendre un bon pli. C'est que les H2K sont en défense. C'est vrai. La défense est plus facile. Hein, ça le rappellera jamais. City. Mais en attendant, il met de la foule. Ouais. Et en attendant, de faire qu'il est tombé à la natte de fake. On est parti sur du. Ah, je sais pas, ça peut-être. Ouais, ça va partir sur du B, à mon avis. Là, côté XNC, ils sont toujours deux ou trois marchés, hein, j'ai remarqué. À chaque fois, et deux à peu près au spawn.
La situation de 4 des 5. Oh, Ripley fait double de fer. Oh, de fer, il va être un peu un peu rageux là. Parce qu'il a mis une balle sur Zandui. Sur Ripley. Putain, j'en perds les paroles. Perds les mots. Et on est parti. Ah, ils savent pas, hein, les H2K, ils se retrouvent. Je sais pas qui est en B là, tout seul côté H2K, c'est Zandui, mais il est bien positionné là. Oh là, la campouse. La campouse. Ouais, il vérifie la pression des pneus, comme dit Miro. Allez, Ripley. Ripley qui va se rencontrer peut-être un petit Unscope. Non, c'est Linkwin hein, qui fait tomber Ripley. Linkwin au Deagle sur Zandui. Linkwin. Oh, bah, c'était très vite. Retournement de situation. Oh, ça a été très très vite de la part des XNC. Et 7 à 4, hein, les XNC reviennent. Comme j'ai dit, de toute façon, un match n'est jamais fini. Ça joue jusqu'au bout. Oh, première dégâts de Ripley, magnifique. Là, il a pu faire le double kill. Ça a été franchement magnifique, un petit plus 10. Il n'y a plus de scope là, côté XNC. Ça se regroupe sur le marché à chaque fois. À chaque fois, il y en a deux ou trois marchés côté XNC. Mais ça rush pas, côté H2K. On prend les lignes, on campe, on se monte pas. Allez, de force qui va peut-être rentrer sur le B. Et signe entre temps qui fait tomber les couilles. Je viens de jouer sur KKK. De force qui se retrouve en situation. Bah, de 2. Bah, 1v4. Voilà. 1v5, 1v5. Allez, c'est parti, c'est ton joueur. Bah, non, c'est pas ton soir. Et 8 à 4 pour les H2K. 4 points d'avance. C'est pas mal. On va voir comment ouais, sont bon. Les H2K en attaque et les XNC en défense. En attendant, s'il y en a qui veulent passer leur dédicace, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à faire tourner le stream, à vous abonner sur notre chaîne Twitch. Et à liker notre page Facebook, bien sûr. Puis je remercie toute la communauté Code4FR qui nous suivent, pour ceux qui en restent. Et ça fait toujours plaisir, donc aussi votez à la GA. Ah oui, n'oubliez pas de voter à la GA. Votez oui pour la GA en France. Votez. J'enverrai le lien tout à l'heure. N'hésitez pas. Et voilà, c'est reparti entre H2K et XNC. S'il y en a qui viennent d'arriver sur le stream, c'est la finale de la Zoe Challenge 10. Et on rappelle, il y a 5 tapis de souris à gagner. Oh, Stevie qui aurait pu faire la décale à la souris plane, il l'a vu à travers Fumi. Ouais, c'est dommage. Et toujours 55. Et voilà, donc j'ai fait la première décale là sur de fer. On est parti sur du. À côté H2K, c'est une split même. On est bien positionné là côté XN, c'est Sino Deagle sur KKK. On est reparti sur du B là côté H2K. Attention, il va peut-être avoir un plus 10. Je sais pas qui est à côté. Oh, c'est Zandui, Zandui qui est toujours bien positionné. Toujours bien positionné sur Zandui. Et 9 à 4 pour les H2K. Allez, moi je vois bien les H2K gagner la première map. De toute façon, comme j'avais dit, 2-1 pour H2K. On verra bien à la fin du match. Et KKK qui tombe à la 2 signe. Côté H2K, on est parti sur du B. Allez, ça va rusher. Oh, Stevie qui fait tomber Almos. Oh là 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 là. Je crois que c'était à travers la fumée. C'était magnifique. Oh là, Zandui qui fait le double kill là. Il fait tomber les deux mini en B. La situation de 2v2, c'est possible. Mais ils sont pas là bon là, côté H2K. Oh là là, Ripley qui le met archi low HP, je crois. Et voilà, c'est Zandui qui fait tomber les couilles. Non, il n'était pas archi low HP, je dis de la merde, j'ai pas eu le temps de voir. Attention, Defer qui fait tomber Ripley. Situation de 1v1 entre Zandui et Defer. Et Zandui, il faut qu'il aille chercher la bombe. Hein. Et il va repartir au niveau du parking A. Et Defer, s'il n'entend pas, ça s'est bien joué parce qu'il va peut-être pas s'entendre, s'y attendre de sa venue. C'est très bien joué de la part de Zandui. S'il arrive à faire la décale. Parce que là, Defer, il sait pas du tout où il est. Mais à voir. De toute façon, ça va jouer au timing, tout ça. Ça va se jouer au timing. Je me dis qu'il va repartir sur tu. Et Defer, ce qu'il croit toujours qu'il est en B. Hein. Oh là 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 là, ça va se croiser, ça va se croiser. Ah, il l'a vu. Oh, Defer, il l'a vu, il met l'OHP. Et je me dis qu'il règle la lourde. Oh, il va lui mettre. Oh, magnifique kill de Zandui. Et 10 à 4. Oh là 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 là, Zandui. Comme j'avais dit, hein. Il est excellent
Pour moi, c'est un très très bon joueur, il n'empêche. On va voir côté tableau du score, côté H2K, Sin avec 15-8, Janjui avec 16-7, et côté XNC, nous avons Linkui avec 11-12, et dernier, c'est Stevie avec 8-12. Ça change, faut pas que ce soit toujours les mêmes. En attendant, Defer qui fait tomber Sin, Defer le double kill sur Almoz, Riplan qui le venge, et là, il y a eu un deuxième, je crois, Riplan. Il met sa petite fumée, il fait repartir sur du B. C'est bien joué de la part de Riplan. Il va faire croire pendant quelques minutes comme quoi il partit sur du A. Et en attendant, j'en suis encore une fois sur KKKK. La situation de 3v3. Ah, Linkwin. Ah, il a entendu. Oh, dommage. L'effet qui fait tomber Linkwin. La situation de 2v3. Allez, les H2K, ils sont bien partis. Sans supériorité numérique. 3v2. On va aller planter la bombe là, côté H2K, voilà, bombe plantée. Et 43 secondes là pour les XNC là, pour défuse la bombe. Et alors, Stevie. Ah, voilà, Stevie se fait tomber sous les balles de fake. Et un V3, les QI qui se retrouvent en situation d'un V3. Oula, il met des balles à fake. Ah, ça va être compliqué hein, de toute façon pour les QI. Je pense que les carottes sont cuites. Et voilà, Riplan qui fait la décale. Sur Linkui. Non, c'est pas Linkui, pardon. C'est Licky. Et en attendant, 11 à 4 pour la Liga. Et je me suis fait kick. C'est super. Et voilà, comment j'ai commenté le match. C'est super. Bravo les serveurs allemands. Ah, il y a une bonne petite grenade, c'est ce qui paraît. Ah ouais, il y a eu plus de Stevie. Ouais. Allez, en attendant, je peux pas commenter le match là, en attendant, parce que je peux rien voir, parce que j'ai été kické. Donc je regarde avec vous hein, sur le stream. Et il y a 11-5-1 pour les HDK. Alors dites-nous ce que vous en pensez hein, de cette équipe HDK et de XNC. Il y en a qui sont peut-être déçus de la part des XNC. Mais là, H2K n'empêche. Ils sont très très forts, n'empêche. Allez, 12 à 5 pour les H2K. Voilà, le draw est fait sur cette première map. A mon avis, de toute façon, les H2K vont remporter la première map. Et voilà. Bien parti en tout cas. Allez, côté H2K, je sais pas où ça en est. Ouais. A4v4, je vais essayer peut-être de me reconnecter. Peut-être une minute encore, je crois. Voilà, une minute. Oh, c'est chiant qu'on peut pas commenter comme ça. Oh là 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 là, et Almos qui fait la décale sur les prix, ouais. Je regarde en même temps que vous, donc c'est peut-être en décalé. Ouais, c'est ça, voilà, exactement. Allez, XNC qui reviennent, voilà, je me reconnecte sur le serveur, je fais vite. Oh là là là, j'aime pas faire ça. Allez, hop, c'est reparti. Allez, je vais me mettre sur qui? Allez, on va se mettre sur un H2K, tiens. On est parti sur du A, là, côté H2K. Il n'y a personne en A, côté XNC. Ah, si, il y en a un qui se replie. Je crois que c'est Stevie. Voilà, c'est Stevie qui se replie. À mon avis, l'info a été donnée. Oh, les pieds à la nade, là, sur de faire. Ah, bah non, voilà, c'est le TK. Magnifique TK. Premier TK de la soirée. La part des XNC. Ah, moi aussi, il fait la décale, là, sur Stevie. Liquid sur Sin. 4v3. 4v3, on est parti sur du A côté H2K, il n'y a personne en A côté XNC. Voilà, ça cover, Linkwin qui fait tomber Almos en 3 temps, situation de 3v3. Et voilà, la bombe est plantée. Allez, on court. Oh là là, alors, il va y avoir peut-être le plus 15. Oh, c'est dommage, ils sont à 3. C'est fou quand même, les XNC se regroupent tous ensemble. Alors, je sais pas si c'est vraiment une technique, mais c'est facile de faire un plus 15. Hein. Oh, Linkwin qui fait un petit glitch sympathique. Oh, voilà, Riplan qui fait tomber KKK. 2v3,
Sunjuice sur LinkedIn, voilà. Liquid qui se retrouve tout seul, en plus il est sur le glitch. Et voilà, Replan encore une fois. Et voilà, le GH qui tombe 13 à 6 pour les H2K. Première map remportée par les H2K. Donc voilà, on va voir au veto. Au veto de la deuxième map, bien sûr. Je me suis pas fait kick, non, voilà. Bon, ce sera Strike, la deuxième map. Et on va partir sur du cutside side, bien sur Strike, parce que c'est la map de Stevie. On va peut-être le voir en action, parce qu'on là, on l'a pas vu beaucoup. Il s'est fait détrôner sa place, de toute façon, Stevie. C'est plus le meilleur scope au monde, comme on disait avant. Enfin, moi, c'est mon ressenti, de toute façon, bah, vu qu'il avait arrêté, donc. Enfin, voilà, moi, bon, je re-up. Et on va partir pour le cutside, donc je rappelle, c'est les H2K qui ont remporté la première map, 13 à 6 sur City, pour ceux qui viennent d'arriver. Et je rappelle que c'est la finale de la Zoe Challenge 10, et le prix à gagner, c'est 5 tapis de souris. C'est toujours mieux que rien. Allez, je vais me mettre sur Stevie pour le premier round. Kobayan. Il voit personne. Il n'y a pas de kill, hein. C'est marrant, hein. Au bout de 1-30. Ah voilà, si, premier kill à la nade, là, sur 20 de vie. Attention, Linkwin qui fait tomber. Oh, la magnifique tête, là, de Linkwin, là, sur Replan. Allez, on est parti sur du B, là, côté XNC. Ouais, il y en a un qui s'est fait spotted, là, au niveau du B. Qui sait, côté H2K, fait qu'il fait tomber sous les... Ah non, c'est Linkwin qui fait tomber Sin, vu qu'il fait qu'il était archi low HP. Allez, 2v5 là. Ça va être compliqué là pour les H2K. Oh, de faire qui fait tomber fake. Et voilà, 1v5. À mon avis, voilà, c'est y est. Rune plié et 1-0. Attention, là, ça va être un autre revers de situation là, je pense. Allez, on est reparti. Côté H2K, on va aller rusher, à mon avis, au niveau de la stat, non, ça rush pas. Si Jungjik va aller rusher, c'est vraiment un rusher. Il y en a un qui vient de passer au niveau du A. Voilà, Jungjik qui fait la décalation sur Defers. Bon, Jungjik qui veut peut-être faire une deuxième décale, et non, c'est Kaka qui fait la décale. Dommage parce qu'il aurait pu faire très très mal. Et sa tempo là, côté XNC, on se monte pas, on attend. Côté H2K, c'est pareil. Donc, il va falloir bouger un peu. Pardon. Allez, Replan qui fait tomber Stevie. Allez, situation 2-3v3. Allez, les culs qui va aller rusher fake. Allez, on va aller planter la bombe là. Côté XNC, on est bien parti encore sur pour le deuxième point. Dans sa fake là. Allez, Replan, session de 2v3 avec si. Explosives planted. Ah, ils peuvent gagner encore, ils peuvent gagner encore le round. Oh, bien joué de la part de l'EQ qui fait tomber ça, une magnifique. Je sais pas comment il a eu l'info, mais en tout cas, pas mal. Hein. Allez, Replan, il lui a fait un petit headshot là, dans la tête. Il mourra pas. Allez, Replan qui tente le handscope, de toute façon. Il pense que c'est fini, mais non, c'est jamais fini, de toute façon, un match. Pas surtout un round. Oh my god! Oh là 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 là, Replan. Ce qu'il a mis au deagle là sur Lee Queen. Oh là 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 là. Allez, je vais me mettre sur Replan, tiens. Côté H2K. Oh la nat spot là de The First là. Oh, pas de chance. Ça, c'est des nats qu'il faut un peu rager. Même beaucoup. On est parti sur du B, hein, côté XNC. Oh là là, fake. Fake, il donne une belle info. Là, il y a un plus 10, fake. Oh, c'est bien joué. Oh, il se fait sur le deuxième kill. Et voilà, Sim qui arrive. Liquid qui fait tomber fake. Liquid qui est archi low HP. Ah, c'est dommage parce que fake, il aurait pu avoir même le plus 15. Il aurait attendu encore un petit peu. Et bien sûr, il pouvait pas savoir que le troisième allait arriver. Juste derrière. Et 3v3. Et on est parti quand même sur... Ah, on revient sur du A à côté XNC. Et voilà, Jean-Juic qui a eu le bon timing là.
Link qui a la bombe. Il est en plein marché, en plein milieu de la map. Stevie. Ah, il peut faire mal, hein. Il peut peut-être faire un kill sur. Oh, Stevie qui fait la décalage sur zone Jui. Ah, c'est bien, ça laisse du champ libre là. Côté XNC. Allez, on va aller planter la bombe, c'est bien joué de la part de XNC. Allez, Stan qui fait tomber, Brian. Allez, Almost. Après shoot. Allez, il va attendre son. Il va attendre Sin. Ça va être chaud là pour Link Queen. Ah ouais, c'était sûr. C'était sûr. Bien joué de la part des H2K. Pourtant les XNC ils pouvaient gagner hein, ce round. Et en attendant, premier point des H2K sur cette map. 2-1. Explosives diffused. Cabriant, s'il y en a qui veulent savoir, c'est Stevie. Il y en a qui sont pas encore au courant. Allez, je vais mettre sur Link Queen là, par du côté XNC. Voilà, Stevie qui fait tomber Riplan. On investit encore le B, hein, côté XNC en tempo, bien sûr. Il fait tomber Defers. Et il y en a un qui reste en haut, là, côté XNC. Même il rentre dans la stat. Avec 4v4. Oh, fait qu'il fait tomber Link Queen. C'est à tempo, hein. Encore une fois. Et quelqu'un qui fait tomber Fake. Oh, il y en a vu un, Sin a vu le scope. Oh, Link Queen! Oh, la magnifique décale. Oh, Link Queen, il est chaud là sur cette map. Moi, il fait que du 4-2, mais. Attends, on a l'impression de le voir souvent. Oh là là, peut-être le plus 10 de Zunjui. Allemand qui fait tomber KKK. Ils étaient en 3v3. Et là, ils se retrouvent en situation de 1v2, les XNC. 1v1. Oh là là, Zunjui qui fait tomber. Et 2-2. Attendez, parce qu'on me parle sur X-Fire, je sais pas qui me parle. Alors, Robert, c'est moi qui parle, oui. Je sais pas, j'ai une mauvaise prononciation de l'anglais. Hein. Excuse-moi. Oh, Ripley de la magnifique décale là. Oh, dans la fumée. Reverse smoke. Almos sur les fuites. Stevie sur Almos. Oh, les frags qui s'enchaînent là côté H2K. Et voilà. Bim. Ça a été très vite. Et 3-2. Et c'est la première fois que les H2K remportent. Qui domine sur cette map 3-2, qui reprennent l'avantage. Alors Link Queen c'est Hell King, voilà. Merci de l'info. On va l'appeler Hell King. Merci de l'info, Roberts. Hell King qui fait tomber Zonjui. La bombe est en A côté XNC. On va peut-être partir sur du A. Je pense même c'est sûr. Oh, Almos qui fait tomber Elking. Arrête de Furs. Allez, 3v3. Attention au backup hein, côté XNC. Parce que je sais pas qui fait le backup là côté et H2K. Et c'est Sin au backup et Almos qui fait tomber 2 Furs entre temps. Situation de 2v3, ça va être compliqué là. De la part des XNC. En plus, il y a Sin qui fait le backup. La bombe va être. Ah, la bombe n'est pas plantée. Attention, il va faire la décale là. Sin qui fait tomber peut-être Stevie. Ah non, c'est Stevie qui fait tomber Odigun. Magnifique. Qui fait tomber Sin. Allez, la petite nat strat là de Riplan et boum. Ah non, non, ça c'est pas fait. Oh, Stevie encore. Oh, le retournement de situation. Ah, il est cuit. Qui fait tomber Riplan. 3-3. Ah non, Lee Queen, c'est Hell King. Defers et Defers, ok. Ah, excuse-moi hein, pour la prononciation. C'est dur quand on commente tout seul. Mais c'est pas grave, ça entraîne. Oh, Riplan qui fait tomber Link Queen. Ou Hell King, je me rappelle du pseudo. Désolé. Hein. Et Defers qui fait tomber Riplan, j'en suis sur Defers. Ça sera coup pour coup. Ah, Sin sur KKK.
Alors, côté XNC, 2v3. De toute façon, ils sont pas loin. Hein. Les H2K sont 2 sur la, sur le A. Ah, ça va être fini, à mon avis, pour Stevie. Situation de 1v3 pour Stevie. Et voilà, c'est fini. Et 4 à 3 de la part de. Les H2K qui reprennent avantage. Oh, timeout. Petit timeout. Je ne sais pas pourquoi. Et en attendant, je vais regarder s'il y en a qui veulent passer. D'accord, Robert. Je vais essayer. Bon, en attendant, s'il y en a qui veulent passer leur dédicace, n'hésitez pas. En attendant, je fais une petite dédicace à Reverse qui m'aide, c'est sympa. N'hésitez pas à faire tourner le stream, à liker notre page Facebook. Vous allez voir juste en dessous, hein, sur le stream, vous avez tout, site web, Facebook, Twitter, Steam, YouTube. Et toutes nos VOD se mettent sur YouTube. On les laisse sur Twitch, bien sûr, mais on a plus de vues sur YouTube. Donc n'hésitez pas à nous suivre aussi et à vous abonner sur notre page YouTube. Allez, c'est reparti. Je sais pas pourquoi il y avait un timeout. C'est pas grave. Et 4 à 3 de la part des H2K, attention. Toute façon, c'est pas fini. Mais la défense est assez compliquée. L'attaque aussi, hein. De toute façon, c'est une map assez mixte, hein, sur Strike. Allez, j'en ai une première décale là sur The First. Alors on était où? Je ne sais pas, je suis un peu tout le monde au passage. Voilà, c'est Liquid Elking qui a la bombe côté XNC. Et double frag là de la part des XNC. Il n'y a plus personne sur le B là, côté H2K. Faudra peut-être aller planter hein, côté XNC. Il en a entendu un. Oh, il se fake! Oh là là, le fake total là, de la part de Liquid, de Elking. Oh là 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 là. C'est fait qui fait la décale. Odigle et Linkan qui fait tomber fake. Ah, mais oh là 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 là, le fail complètement. C'était magnifique. Allez, côté XNC, on est parti sur 2B. Vite, vite, vite. Un Riplan qui va aller le rocher. Stevie vs Riplan. Oh, Stevie! Stevie Odigle. Oh là là, Stevie qui a pu enchaîner encore. Ah non, c'était Jean-Jouy, pardon. Allez, situation de 1v2, bon planté de la part des XNC, il faut camper. Ah, ça va être compliqué de toute façon pour Zhang, mais il peut le faire. Il peut faire au moins la première décale au moins sur Stevie. Mais ça va être compliqué. Ah, il l'a vu. Lincoln l'a vu. Et Brian qui fait tomber Zhang 4 à 4. Ah, match serré hein, par rapport à la première map. En attendant. Franchement, ça fait bizarre hein, le fail là. En plus, il avait tout pour le mettre. Hein. Mais en tout cas, très beau réflexe de la part de Fake. De Fake et de faire fait tomber Fake à la nade en parlant de Fake. Hein. Oh le full à la côté XNC. Oh la Jean-Jean, il peut faire très mal, très très mal. Oh derrière toi. Il aurait pu faire au moins 2-3 kills là. Et XNC se retrouve en situation de 1v3. Oh, de façon qui est tombé Sane. Oh, Almost, le travers magnifique. Et 5 à 4 et c'est reparti. De toute façon, c'est 1 point, 1 point. Et moi, je dis 5-5. 5-5. Et XNC vont remporter ce point. Allez, côté H2K, côté XNC, ça défend, ça attaque. Et c'est les H2K qui font double frag. De toute façon, ça se rend à chaque fois les balles, coup pour coup. Allez, 2v3. Aller chercher la bombe là, côté XNC. Pas qui va aller chercher, c'est Kaka qui va aller chercher la bombe. On va repartir sur du B à mon avis côté XNC. Oh le fake de Kaka au Deagle. 2v2, c'est possible hein, encore de la part des XNC. Oh, il y en avait un. Oh il a pas le temps de recharger, c'est un peu dommage. Et de faire au Deagle.
Donc, qui se retrouve en situation d'un V2, voilà, c'est fini. Très beau round de Defers qui fait 4 kills et 5-5, voilà, comme j'avais dit, 5-5. Allez, je vais regarder Stevie. Oh, Ripian qui fait une décalade sur Kakaka. Je sais plus c'est qui Kakaka à côté XNC. Ripley un deuxième kill. Et la bombe est au spawn à côté XNC. Et là, le gars qui roule là. Qui font un vroom vroom. Oh, Ripley encore troisième kill de Ripley. Oh, ça a été vite, hein. Très très vite. J'ai même pas eu le temps de voir. J'ai vu aucun kill. Juste le dernier fry. Allez, j'ai regardé. Si. Côté H2K. Ah, l'incant qui fait tomber Riplan. On est parti sur du A là, côté XNC. Ah non, du B, pardon, excusez-moi. Avec le radar, je vois pas tout. Oh, j'en ai double kill. Il fait. Oh là là, il a complètement décalé le mid. On a vu un autre. Oh, attention, la petite note strat, Almos en attendant qui fait tomber le King. Ah voilà, un petit d'Alstrad, mais en attendant il est parti, celui qui était en voiture, on a quand même fait tomber Almos, Jean de sur l'écran, et Sinki qui finit 7 à 5. Ah, belle défense hein, de la part des HDK, posé au XNC. Oui, excuse-moi Zoko, c'est l'incant, d'accord, pas de soucis. Il y en a qui me charrient un peu sur les pseudos. Il n'y a pas de soucis, on est là pour apprendre. Allez, on va voir les H2K en attaque et les XNC en défense. On va voir si ça rush la côté H2K. Non, on est parti sur du B, hein, côté H2K. On est parti sur du B. Allez, attention. Oh, j'en ai qui fait la décalation de fer. Côté H2K. La bombe est en B, il n'y a plus personne en A, hein. Côté XNC, on va peut-être se retry en A, côté H2K. Et l'incant il est pas loin, hein. Il peut faire mal aussi. Il est dans son garage, bien positionné. Il peut faire deux frags là. Pas trop qu'il se monte. Pas qu'il se monte, surtout pas. Surtout en 2v4, mais là à un moment donné, là, ça va se croiser. Il tire pas assez bien joué. Oh! Premier kill de l'incant. L'incant il sait pas quoi faire. Oh, allez, c'était en sandwich. Et Kakaka qui se retrouve en situation de 1v3. La fumée qui va peut-être l'aider. Ah non, ça va pas l'aider du tout. Et j'ai un jeu qui fait la décale sur Kakaka et 8 à 5. Ah, je vais peut-être me tromper peut-être sur mon pronostic. J'avais dit 2-1 pour les H2K. Ce sera peut-être 2-0. Ou voir. Les XNZ vont peut-être retourner round. On sait jamais. Et côté tableau du score, on va voir Jean-Jules encore qui est top fragger avec 16-7. Et côté XNC, nous avons Duffers avec 13-11. Et Stevie qui est juste derrière avec 9-10. Et Almos qui fait tomber entre temps à la nade. Et côté XNC, on a double frag. On a investi là, côté H2K. Attention, fait qu'il va se faire rusher. Il est au jiggle. Oh là là, oh il avait hit. Oh c'est dommage. Et voilà. Round remporté par les XNC. Et voilà, je me fais kick encore pour 2 minutes, c'est super. C'est super. Ah, j'ai pas voir la fin, je le sens. La sixième n'est pas gratuite, c'est cool pour ça. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, ils comprendront. Ah, je me suis fait kick, donc j'espère que Mir, tu me tiendras au courant. M'envoie un mail, ouais. C'est ça, ouais. En attendant, je fais une petite dédicace de Nounours qui fait une dédicace à Imo de la part de Nounours. C'est... Ah, il y a eu deux. Oh là, Riplan il a fait un plus 10, non? Je viens de voir ça. À l'instant. Oh là là, Riplan! 4 kills de Riplan! Et voilà, quand je suis pas là, voilà. Quand il y a des bonnes actions, je suis pas là. Oh là 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 là. Je suis vert. Oh là là, full team de Riplan! S'il vous plaît. Oh là là, full team! En direct. Et j'étais pas dessus, il était pas dessus. Oh là là là.
Riplane, voilà. Ça, c'est un scope. Ah là là. Et moi, je suis kick, je peux rien voir. Je peux juste voir comme ça. Ah, les HDK qui roulent, là. Ils savent plus où en donner de la tête, là, les XNC. Oh, le mosque est fait tomber, la queen, ouais, d'accord. Ah, ça peut être le round remporté par les HDK, non? Je ne sais pas. Je vais peut-être faire un slash reconnect au passage. Quel full team de replay, non, attends. Oh là là, c'était magnifique. A mon avis, il y aura une frag movie bientôt. Parce que faire un full team au scope en plus, rien qu'au scope. Face au XNC, face à Stevie, franchement. Top. Et 9 à 7. Alors, il me reconnecte. Voilà, c'est bon, j'arrive. C'est bizarre, toi tu te fais pas kick là. Tant mieux, tant mieux. Allez, c'est reparti. Et voilà, fake qui plante la bombe côté H2K, situation 2. 4 et 3. Almos Logical sur KKKKKK qui fait tomber à la natte de Almos. Je suis sur Brian. Double kill. Et voilà, c'est fini. 10 à 7 pour les H2K. Attention, XNC, attention. Parce que là, les H2K roulent sur la victoire. Allez, je vais me mettre sur Junji. Côté HDK. Alors, encore Riplan qui fait tomber le Hellking. Oh là 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 là. Il est on fire là, le Riplan. Ils sont tous on fire, hein, côté HDK presque. En attendant, double kill de KKK sur Riplan ici. Et Junji qui fait. Oh, le timing de Junji. Oh là 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 là. 2v2, la bombe en B, là côté H2K, Junji qui est au niveau de la stat. Ah, ça va se croiser, je sais pas qui est au niveau de la stat, c'est l'incan. Stevie qui fait tomber Almo, situation de 1v2, allez, ça y est, Junji est chaud. Ah bah non, il est pas chaud, ce sera pas pour ce soir. Le 1v2, et 10 à 8, allez, XNC qui reviennent. Hein. Comme j'ai dit, de toute façon, un match n'est jamais fini. Allez, je vais me mettre sur l'incan. Côté XNC qui balance sa nade. Ah, il rush pas hein, sur la stat. Hein, les XNC, ça tempo énormément. Ils ont pas peur que ça rentre, que ça investit le A. Bah si, ça investit le A. Là, côté H2K. Oh, bien joué de la part de Nakan qui fait tomber. Sin. Ah, j'ai cru qu'il allait faire le double kill. Ça aurait été magnifique. Oh là là, les frags qui s'enchaînent. Là, côté XNC et H2K. Situation de 2v3. Et les H2K qui ont planté la bombe. 2v3. Ça va être compliqué. Mais Riplan qui est bien positionné, n'empêche. Oh, il a vu. Oh, combat de scope. Oh, Riplan again. Oh là 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 là. Je sais pas ce qu'il a fait. Ah ouais, fait qu'il était tombé sur les balles de Defer. En tout cas, Defer a fait vraiment du bien à XNC. Oh là là, mais quel talent ce Riplan. Explosives diffused. Ah, il le met à vraiment. Il a vraiment mis hein, ça. Allez, 10 à 9. Arrêtez de me poker sur TeamSpeak, s'il vous plaît. Ah, c'est qui fait tomber Alana de Linkwin. On a la bombe côté H2K, c'est bon, personne n'est mort côté H2K. Ça met archi le HP hein, côté H2K. Défense qui fait tomber Riplan, scope là, côté H2K, Almos sur Stevie, y'a plus de scope non plus côté XNC, ça va jouer à la lourdeur à l'SMG. Oh Almos, au combat de Deagle là entre Fake et Defers, et voilà, Almos encore une fois, 3 kills sur face au XNC. Et 11 à 9 pour les H2K. Plus qu'un point et ça sera le draw. Et on verra le match en MR3 s'il y a un 12-12 de la part des XNC. Oh là là, Riplan qui a pris une belle balle là sur Stevie. On n'investit pas là côté H2K. Oh, Sin qui fait le double kill à Almos encore une fois. Oh là là. Almos et Sin là, ils sont vraiment chauds. Ils font deux frags chacun sur ce route. Ah, il met le HP genre depuis, ça y est, il est fini. Et voilà, Hellking qui tombe. Et 12 à 9, draw assuré de la part des H2K. De toute façon, j'avais dit victoire des H2K. Mais
On peut voir un retournement de situation, comme j'ai dit aussi tout à l'heure. C'est possible, ça c'est déjà vu. Je pense que les XNC sont pas dans leur match hein, ce soir. Ah, Signe encore une fois, il fait très mal. Signe rush, double kill de Signe. Troisième kill peut-être. Oh my god, triple kill, quatrième kill. Oh, peut-être le full team. Oh, laissez-lui le full team. Laissez-lui le full team. Oh là 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 là. Ah, il a vu, il a vu. Oh, le full team de Signe. On a eu deux full team ce soir. Oh, magnifique. Oh là 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 là. Oh là là. Il y a eu deux full team là à côté H2K. Oh, il l'a fait très très mal. En tout cas, GG au H2K, 2 maps à 0, et c'était super. En attendant, bah, on va vous laisser, et puis on se retrouve bientôt pour d'autres prochains streams, ça sera peut-être avec Imo. Je remercie Imo, Mir à la réalisation, et puis Adrien qui aurait pu être là, mais malheureusement qu'il n'y avait que deux places ce soir pour commenter, donc ça a été assez dur, et vu qu'il se faisait kick par le Blankbuster, donc du coup j'ai commenté à sa place. Donc je remercie tous les viewers qui nous ont suivis, que ce soit les Français et les Anglais. Et sur ce, je vous laisse. Bonne soirée à tous. Et la VOD sera upload, je pense, demain. Et de toute façon, vous aurez une annonce demain sur la page Facebook Orcs. Et n'hésitez pas à liker notre page Facebook www.facebook.com/orcsesport. De toute façon, vous avez tous les liens juste en dessous hein, de la page sur Twitch. Donc je vous remercie à tout le monde, puis bonne soirée à tous, ciao ciao.